Impossible. La dernière fois que tu m'as dit ça, il avait la figure couverte de boutons. Mais là, c'est pas pareil. J'avais mes lunettes. Bon, mais il était où? Devant le lycée. Et tu l'avais jamais vu avant? Bah non, tu parles que je l'aurais remarqué, hein. Ça, c'est vrai, parce que les beaux garçons, ça court pas les couloirs, hein. Si Jérôme t'entendait. Oh, Jérôme, c'est pas pareil. Bon, mais il est beau comment? Bah, tu vois Rogue Voisine? Bah oui, évidemment. Et bah voilà, quand tu le regardes, ça fait pareil. Alors là, Annette, il faut arrêter de délirer, hein. Parce que des garçons aussi beaux que Rogue Voisine, ça n'existe pas, ou alors sur une autre planète. Mais pourtant, je te jure, je l'ai vu. Bon. Alors c'est l'heure de la sortie, tu vas venir avec moi et tu vas me montrer à quoi il ressemble ton Rogue Voisine. C'est pas la peine. Il est là. J'avais raison. Il est encore plus beau que Rogue Voisine. Quand j'ai mes lunettes, j'ai l'œil, hein. Ah, évidemment, il y a un beau garçon. Il faut que ça tombe sur cette peste d'Isabelle. Juju, retiens-moi, je crois que je vais m'évanouir. Oh, il est tellement beau. Arrête, Annette. Tu vois bien qu'elle attend ça, Isabelle, qu'on la regarde. Je manque d'air. Annette, tu vas pas t'évanouir. Salut les filles! Salut! Salut! On peut s'asseoir avec vous? Je t'en prie, t'es comme chez toi, te gêne pas! Je vous présente mon copain Luc. Luc, je te présente Justine et Annette. Oui, Annette, c'est moi! Salut! Vous voulez boire quelque chose? Non, elles ne prennent rien. Mais moi, je veux bien un diabolo framboise. Je peux te le chercher. C'est qui? Un copain. Pas mal, non? Un copain du lycée? Non, il a abandonné ses études depuis longtemps. Il est guitariste. Guitariste? Comme Rogue Voisine? Oui. Il travaille au Gigastore en attendant de monter son groupe. Il chante? Oui, bien sûr. Divinement bien. Oh. Et il a une petite amie? En vérité, il est fou de moi. Je l'ai rencontré samedi soir en allant acheter des disques. Et depuis, il ne me quitte plus. Ah, eh bien écoute, Isa, je suis vraiment contente pour toi. Depuis le temps que tu te cherches un copain. Et puis comme ça, t'arrêteras de tourner autour de Jérôme. Je te le laisse ton Jérôme, c'est un petit garçon. Luc, c'est un homme. Il est guitariste, il travaille et il sait embrasser. Embrasser? Jérôme embrasse très bien. Ma pauvre Justine, on voit bien que tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai baiser. Un vrai baiser? Oh Annette, n'écoute pas, elle raconte n'importe quoi comme d'habitude. N'importe quoi? Tu vas voir. Voilà. Luc, embrasse-moi. Pardon? Vas-y, embrasse-moi. Ici, là, Isa. Luc! T'as dormi comment, toi? Bah, comme d'habitude. Oh, moi, c'était super. Tu me faisais embrasser par Luc. Avec Isa hier. Ah, Berg, c'était répugnant. Oh, ouais, mais reconnais que ça avait l'air d'être tellement bon. Ah, oh, quel baiser. Ouais. Tu sais, je suis encore plus jalouse que toi que ça tombe sur Isa. Mais reconnais que ça avait l'air d'être super. Ouais, t'as raison. Tu te rends compte de ce que ça doit être? Le grand frisson. Oh, tu sais, on doit se faire des idées. Bah pourquoi tu dis ça? Bah quand c'est les autres qui le font, on est toujours impressionnés, mais quand c'est nous, tu sais. Tu crois que c'est parce que c'est pas nous qui l'embrassait qu'on s'est fait des idées? Bah, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un autre, Luc? Un baiser, c'est un baiser. Ben moi, je suis pas sûre. Hein. Écoute, Annette, t'es beaucoup trop impressionnable. Viens, je vais te montrer. Mais où on va? Tu veux faire un flip? Non, Jérôme, ça va. Justine, ça va? Ça va. Comme tu veux. Jérôme? Mmh. Embrasse-moi. Comment? Jérôme, embrasse-moi. Là, tout de suite? Ah, enfin! Oui, là, tout de suite, allez vite, embrasse-moi! Devant tout le monde, mais je croyais que t'avais horreur de ça.
Eh bien, aujourd'hui, ça m'est égal. Attends. Je reviens tout de suite, hein. Alors, rien à voir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est pas du tout ça. Je suis désolée. Mais franchement... C'est bien ce que je craignais. Bon, j'y vais, hein. Tu regardes bien. Compte sur moi. Allez, saute. Je fais ce que je peux, hein. Mais ça va pas, Annette. On est en pleine équation du second degré et Michaud est le genre de prof qui n'a vraiment pas le sens de l'humour. Faut que je te parle, c'est important. Ça pouvait pas attendre la fin du cours? Ben non. Bon, je t'écoute. Alors? Je voulais savoir si tu voulais faire un flip avec moi tout à l'heure. Hein? Tu te fiches de moi? Et tu me fais sortir pour ça? Mais t'es complètement folle! Bah alors, pourquoi t'as dit ça? Ça va pas! J'ai pas vu. T'as vu de quelle humeur il était? Si tu crois que c'est facile! Écoute, moi je me suis débrouillée avec Jérôme. Alors tu fais pareil et tu te dépêches maintenant. Allez, saute! Mais t'es complètement folle! Si je demande à aller aux toilettes toutes les 5 minutes, je vais finir à l'infirmerie, moi! François! Oui. François! Quoi? Embrasse-moi. Hein? Embrasse-moi. Mais là devant la porte? Mais oui, c'est vachement important. Mais Annette... Recommence. Waouh! Quelle santé! Merci. Tu peux aller retourner à tes équations. Alors? À ce point? Un vrai désastre. Oh, c'était peut-être à cause des lunettes? Non, je crois que t'as raison. C'est vraiment pas pareil qu'avec Luc. Ça, c'était sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh bah, pour le moment, on va récupérer le moral. On va pas rester à manger des tartines en se demandant ce que c'est qu'un vrai baiser toute notre vie, quand même. Oh bah non, mais pour le moment, c'est bon, ça. Je te le répète depuis le début. Je crois qu'il faut absolument qu'on essaie. Tu parles des tartines? Non, je te parle des baisers de Luc. Il faut absolument qu'on sache ce que c'est. Oui, mais moi, je peux pas faire ça, Jérôme. Oh, mais c'est qu'une expérience. Oui, mais tout de même, embrasser un autre garçon... Oh, mais on va pas rester comme ça, comme des idiotes, sans savoir. Annette, tu n'as pas de morale. Mais c'est pas une question de morale. C'est une question de savoir-vivre. Oh, ben voyons. Savoir-vivre. En tout cas, moi, je laisserai pas passer la chose de ma vie. Je ne peux pas faire ça, Jérôme. Je ne peux pas le trahir. Mais t'es vraiment idiote. Qui te parle de trahir? C'est juste une expérience. Allez, viens, va au Gigastore et peut-être qu'on le verra. Il n'en est pas question. Oh, mais viens! On va bien trouver un moyen de se faire embrasser discrètement. Non, non, je crois que le mieux, c'est d'oublier ce Luc. L'oublier? Mais c'est impossible! T'as vu ses yeux, ses bras et quand il a embrassé Isaïe? Oh non, c'est impossible. Un peu de volonté, Annette, hein? Oh ben, quand je vois comment Jérôme t'a embrassé hier, je me dis que tu gagnerais à changer de technique. Oui, bah... Et si tu crois que toi et François c'était mieux, c'était pas Hollywood, hein, je vais te dire. Eh bien justement, avec Luc, ça va être Hollywood et en Technicolor. Allez, viens, on fonce au Gigastore. Il n'en est pas question. Allez. Oh ouais, elle y va. Ouais. Allez, vas-y. Oh. Oh non, non, c'est pas juste. À 1000 points de la partie. C'est la vie, mon vieux. Ouais, t'as raison. On peut pas être beau, intelligent et en plus avoir de la chance au flipper. Salut tout le monde. Salut. Bah, vous avez dévalisé un disquaire ou... Mais non, regarde plutôt ce qu'on rapporte. Mais oui, regarde. Whitney Houston, Baby, Elsa. Alors ça, c'est vraiment super. Je connais pas, mais
J'ai jamais entendu parler. Ça a l'air nul. Ben voyons. Qu'est-ce qui vous a parlé de ça? C'est un vendeur du Gigastore. Un vendeur du Gigastore? Oui, je crois que tu le connais, Isa. Ah, mais oui, c'est le copain que tu nous as présenté hier. Oh, il nous a fait écouter des tas de disques. Vraiment. Oh, et alors ça, c'est géant. Tu veux sans doute parler de mon copain Luc. Il est comment, ce Luc? Vous allez voir, on lui a demandé de nous rejoindre. Ah bon? Bah oui, j'ai pensé que ça ferait plaisir à Isa. Ah, tiens, voilà. Luc. Salut. Je te présente Jérôme. Salut. François. Salut. Bon. Salut. Isa, tu connais déjà. Oui, très bien. Ça va, toi? C'est toi qui leur as conseillé ça? Oui, c'est super. Écoute-le, tu vas voir. Dans 15 jours, ça fait un malheur. Ah, il a raison. C'est vraiment génial. Oui, Luc est génial. Bon, tu viens, on va s'asseoir. Non, on doit partir. Mais quoi, on n'est pas pressé. Tu veux faire une partie? Ah ouais, génial, j'adore. Tiens, tiens. Donnez-moi les disques. Vraiment, c'est réussi. Il nous a même pas regardé et en plus, il est copain avec les garçons, alors... Remarque, il y a au moins une bonne nouvelle. Il s'intéresse pas plus à Isabelle. Franchement, on aurait dû l'oublier, ce type. Écoute, je crois que c'est la galère, hein. Je vois vraiment pas comment on va faire pour se faire embrasser. On va pas s'avouer vaincu. C'est une super idée. Eh, on allait quand même pas se laisser avoir, non? T'es sûr qu'on risque rien, hein? Tes parents ou Hélène ne vont pas rappliquer. Mais non, Hélène est à la fac, maman elle rentre jamais avant 8 ou 9 heures du soir et papa est allé assister à un nouvel épisode d'Amour Toujours. Ah, oh, qu'est-ce que c'est beau Amour Toujours. T'as de la chance d'avoir un père comme ça. Ouais, bon, allez, c'est l'heure maintenant, il faut se mettre au travail. Ok, j'arrive. Hein. Allez, on y va. Ah voilà. Bon. Alors, viens voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un peu amateur. C'est bien ce que je craignais, mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il nous faut. Regarde, Annette. Ah, super. Alors, attends. Voilà. Dire ton père? Écoute, Annette, quand on fait une expérience scientifique, on ne lésine pas sur les moyens. Remarque, t'as raison, hein. On n'a rien sans rien. Ah, regarde! Elle avait l'air neuve, cette chaîne. Bah oui. Roger l'a acheté le mois dernier. Oh là là! Tu crois pas que t'y vas un peu fort? Annette, c'est au nom de l'amour! Oh, c'est lui! Allez, file par la porte du fond, dépêche-toi! Oh, Justine, je peux pas rester! Il faut bien que quelqu'un juge! T'es casse-pied! Bon, alors. Vas-y, prends ça et va te cacher dans la cuisine! Mais dépêche-toi! Bonjour, Luc. Ah, excuse-moi, mais on n'entend pas bien la sonnette d'en haut. C'est gentil d'être venu si vite. Ça va? Ouais. Je suis pas trop en retard. Oh non, non, non. Où est-elle? Elle est là. Je comprends vraiment pas ce qui lui est arrivé. Elle marche plus du tout. Bah, ça m'étonne pas. Ah, elle était presque neuve. C'est de la camelote, tout ça. Ce ne serait pas un ovni qui laisse tomber dessus par hasard? Pourquoi tu dis ça? Non, non, pour rien. Bon. Eh ben, allons-y. Bah attends, on n'est pas pressé. Qu'est-ce que tu veux boire avant de commencer? Ah, ça, c'est une bonne idée. Je prendrai bien une limonade. Ah bon, installe-toi bien confortablement, là. Voilà. Je vais te la chercher. Je reviens tout de suite. Alors? Oh là là. Je crois qu'il a jamais vu une chaîne comme ça. Tu sais, t'aurais vu sa tête? D'après moi, on a dû y aller un peu fort, hein? Non, non,
mais pas ça. Ça y est, tu t'es embrassée. Annette, on n'est pas des sauvages. Il faut que tu me laisses le temps de le mettre en condition. Vas-y. Bonne chance, ma vieille. Ça va bien avec Isa en ce moment? Bof, elle est mignonne, mais côté caractère... Alors ça, je te fais pas dire. Ça doit être bizarre de sortir avec une fille qui ne vous considère que comme un objet. Pourquoi tu dis ça? Bah, je crois que ce qu'elle aime surtout chez toi, c'est ta manière d'embrasser. Le reste... Ah bon? Ah oui. Elle raconte partout que c'est fantastique. Bah, je crois que je me débrouille pas mal. C'est vrai? Tu veux juger? Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en sais rien. Ça va, Luc? Allez, vas-y. Ouais. Allez. Ouais. Jérôme, comme, il faut que je te parle. Mais oui, mais attends, je te garde ta boule, Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Bon, tu promets de m'écouter sans t'énerver. T'inquiète pas, vieux, ta boule est sous contrôle. Tu m'écoutes ou tu préfères retourner à ton flipper? Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Alors voilà, c'est à propos de Luc. Voilà, c'est affreux, tu comprends? Isa nous a dit qu'il savait donner de vrais baisers. T'as entendu? De vrais baisers. Alors moi, bon, j'ai voulu essayer pour savoir si c'était vraiment bien, comment c'était, quoi. Et je lui ai demandé de venir à la maison pour réparer la chaîne. Mais c'était bidon, c'était pour tenter ma chance, en fait. Et tout à l'heure, il est venu et j'ai failli l'embrasser. Ah bon? Comment ça, ah bon? Je te dis que j'ai failli embrasser Luc et c'est tout l'effet que ça te fait? Bah oui. Je suis pas le genre macho rétrograde, je suis pour la liberté dans les couples. Ah oui. Ça veut dire que t'as déjà embrassé d'autres filles? Justine. T'as déjà embrassé d'autres filles? Ah bon? Dis-moi qui? Justine. Oh, mais oui, je suis bête. Isabelle, tu embrasses Isabelle. Mais c'était évident, évident. Mais enfin. Ah bon, ah bon, ah bon. Eh bien, d'accord, d'accord. Écoute, Juju. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais j'ai rien dit. Tiens, Jérôme, reprends ta boule. Moi, je commence à fatiguer. Elle se fait un cinéma. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Des bêtises. Ah, toutes les mêmes. Bah, Jérôme, mais tu perds ta boule. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une gaffe. Ah, te revoilà. On se demandait où t'étais passé, alors on a décidé de jouer aux cartes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Justine. Ça va pas, non? Te jure, Jérôme, je savais pas. Jérôme, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai embrassé. Je voulais savoir ce que c'était qu'un vrai baiser. Un vrai baiser? Tu veux savoir ce que c'est qu'un vrai baiser? Bah regarde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors? C'était bien. Mieux qu'avec lui? Oui, parce que... avec lui, ça ne faisait pas boum boum. Oh, c'est beau ça. Luc. Allez, allez, vas-y, Juju. Une fourchette. Allez, allez, vas-y. Attention. Oh là là, vraiment, je ne crois pas la chance que t'as. Et maintenant, le bonus. Allez. Ouais. Vas-y. Allez. Oh non. Oh là là. Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait prendre avec douceur ces petites bêtes-là? C'est comme moi, c'est fragile. Salut tout le monde. Salut. Tu viens de rater un grand moment de flip. Vous savez pas où est passé Luc? On avait rendez-vous devant le lycée, ça fait une demi-heure que je l'attends. Ah,
On ne sait pas où il est, mais je sais avec qui il est. Ah bon, avec qui? Avec Annette, figure-toi. Ils sont allés se promener sur les bords de la Seine. Il a dû vouloir compléter son expérience. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Tiens, les voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Annette! Oh là là, si vous saviez... Mais t'es trempée? Vous êtes allée à la piscine et tu as oublié ton maillot? Mais non, on se promenait sur les quais, elle est tombée à l'eau. Vous pouvez pas savoir, c'était impressionnant. C'est comme si elle avait sauté dans l'eau. Ben oui, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, quelle chute! J'ai jamais vu ça. Eric m'a sauvée. N'exagérons rien. Si, si, il m'a même fait du bouche à bouche.